Bonsoir ou bonjour mes poissons, c'est Nati, comment allez-vous? Là, c'est pour le mois de mai. Donc, on va regarder ce que j'ai. C'est une générale, ne l'oubliez pas, si vous avez besoin d'une consultation avec moi, avec que vos énergies, que votre vie privée, et d'avoir des réponses, puisque les réponses, vous ne les trouvez pas dans le mental. Donc, n'hésitez pas. Merci pour les personnes qui s'abonnent, ceux qui se sont abonnés, ceux qui vont s'abonner. Il faut activer la petite cloche. Et il y a une encoche comme ça, comme un V. Vous cliquez dessus, il y a marqué « Toutes ». Vous choisissez « Toutes ». Comme ça, vous, à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est comme ça que vous êtes mis au courant. Alors, merci pour tout. En tout cas, pour vos likes, vos petites fleurs, pour tout, vos commentaires, vos pouces en l'air. Alors, c'est le bon moment, sois confiant, confiante dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Alors, soit ça vient de se faire, d'accord, ou alors il y a quelque chose que vous avez concrétisé, acté dans la matière, hein, vraiment, quelque chose d'officiel. Aïe. Je me suis fait un tour de main, n'importe quoi, un tour de rein, j'ai mal. Je ne dois pas trop bouger. La beauté de la nature peut être la réponse, ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Vous êtes resté trop en ville, ou alors trop dans le béton, le ciment, le bitume et tout ça. Il faut aller vers la nature. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Aïe! Mais c'est terrible. On ne peut pas bouger, ça fait mal. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Voilà. Il faudra se faire une raison. Alors, on parle de déménagement, mes amours. On parle de discussion. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Positiver, mes amis, et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser pour réussir quelque chose. Ne soyez pas agressif, agressive. Ne paniquez pas surtout. On parle de déménagement, de rendez-vous, hein, d'accord, de voyage, de vacances, de se rendre disponible au changement. Vous vivez un changement, vous allez vivre un changement, un déménagement, j'allais dire encore une fois, pour certains de vous et certaines. Ou alors, vous partez ailleurs, en tout cas. On vous dit, soyez prêts et prêtes à agir concrètement, hein, et les difficultés auront tendance à s'évanouir, on va être dans l'action, et tout va bien se passer, voilà. Alors, mes chers poissons, peut-être que vous avez besoin de vacances, hein, que vous attendez que ça, hein, d'accord? Mais ça peut parler aussi d'entretien, de rendez-vous, de déplacement, ça peut parler de... Oui, ça peut parler de déménagement, ça peut parler d'aller voir une personne, ça peut parler de week-end, de séjour long, court, vous voyez. Mais de rendez-vous, de changement, en tout cas, soyez prêts et prêtes. Ça va vous faire du bien, en tout cas. Vous savez pourquoi ça va vous faire du bien? Vous serez plus dans l'action. Voilà, ici, ça peut parler de déménagement, achat de vente de biens immobiliers. Ici, ça vous parle de stabilité, de sécurité, d'accord? Ça parle de contrat, d'événements à fêter, fiançailles, mariage, quelque chose d'officiel et stable. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce diable ici? Alors, ouais, c'est ça, ça revient à ça. Faites attention, il y a quelqu'un qui pourrait essayer de vous déstabiliser, d'accord, par les mots, par justement quelqu'un qui écrase, quelqu'un qui manipule, quelqu'un, voilà. Faites bien attention, vous ne laissez pas faire. Et sinon, ouais, quelqu'un d'agressif, quelqu'un de méchant, vous voyez. Donc faites attention. Et sinon, ici, on parle de peut-être d'attirer à soi, en communiquant bien, quelque chose. D'obtenir un contrat, quelque chose comme ça, une négociation,
Alors, ce qui pourrait vous freiner, c'est vos doutes. C'est cette petite voix qui te dit, tu ne vas pas réussir, tu vas te rater, des choses comme ça. Mais non, pas du tout, en fait. Hein. D'accord. Pas du tout, pas du tout. On parle d'attirer, hein. On a quand même cette reine de bâton. On parle d'attirer à soi ce qu'on désire et on va l'attirer, on va retrouver l'équilibre, le juste équilibre. Pour d'autres, aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui vous intéresse et il y a le choix à faire. Hein. Vous êtes ici entre deux personnes, hein. Ici, il y a le choix à faire. Il y a un choix à faire. Certains de vous, vous déménagez, vous partez en vacances, voyage peut-être croisière, peut-être... Peut-être croisière, peut-être ou autrement. Hein. Mais vous partez de quelque part. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous débloquer en tout cas. Hein. Ça va vraiment vous faire du bien. J'ai l'impression que vous partez de quelque part vers mieux. Et en fait, pour moi... il y aura d'autres centres d'intérêt. C'est comme si vous changez vous aussi. Hein. Vous reprenez du peps. Vous voyez ce que je veux dire hein. On va voir mes couples là parce qu'il y a un choix à faire. Dis-lui. Ah, c'est pas grave. Cornélien. Hein. Pas évident. Vous lui faites toujours des cadeaux. Vous, il y a vraiment, vous êtes dans la dépendance, peut-être le cadeau de lui pardonner, de, voilà, on est dans la dépendance par rapport à une personne, on le sait très très bien, ça parle de voyage, c'est dingue, ça parle que de partir. Hein. Ça parle de divorce ici, de séparation. Rien ne va plus, c'est les montagnes russes entre vous. Je crois que là, vous avez envie de faire un travail sur vous-même, de vous retrouver avec vous-même, de vous faire ce cadeau à vous plutôt, et peut-être de partir un petit peu pour mieux revenir, vous voyez. Il y en a un des deux qui a envie de quitter l'autre, hein, on le voit très très bien, et qui va réussir hein, à quitter l'autre, parce que l'autre est dans la dépendance affective. Il y a un travail à faire sur soi, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, alors, ici, j'ai quoi? J'ai quand même ici quelqu'un, donc on parle de divorce, c'est vrai, on parle de rupture, c'est vrai. Mais j'ai quand même quelqu'un ici, il y a un choix à faire entre deux personnes, c'est ce que j'ai. Hein. Maintenant, j'ai aussi un couple... ou qui était en désaccord, d'accord, de s'offrir une maison, de s'offrir une voiture, de s'offrir un voyage, de s'offrir quelque chose, et vous allez trouver un accord finalement, puisque vous êtes le duo de choc et que vous vous aimez. Après, si c'est pas ça, ça peut être aussi les montagnes russes, que ça n'allait pas bien dans le couple, on était en dispute, désaccord, et que finalement, ça s'arrange. Hein, on a, et puis on a la réussite, on est content, contente, et ça s'arrange, et peut-être que vous allez même partir justement. Hein. Ça parle d'un couple qui est en panique aussi, j'ai un autre cas de figure, en panique par rapport au mariage, quelque chose d'officiel, ça peut être les fiançailles, mariage, grossesse, naissance, acheter un bien immobilier ensemble, hein, d'accord, mais vous êtes un duo de choc. Hein. Et donc, rien ne vous arrête, même si ce n'est pas si évident que ça, vous allez réussir. Voilà. Donc, c'est super. Mais sinon, quand même, pour certains, il y a un travail à faire sur la dépendance. Hein. Parce qu'après, ça saoule l'autre. Vous, vous êtes en souffrance et vous faites souffrir l'autre. Hein. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Vous adaptez. Hein. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Par contre, là, c'est vrai que j'ai un cas de figure où il y en a un des deux qui veut partir. Ou qui est déjà parti, hein, ça se trouve hier, hein, par exemple. Ou la semaine dernière. Hein.
Alors, mes célibataires, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi la crise? On va voir. Prudence à votre mental, à votre santé, là, hein, d'accord? Il faut lâcher du lest, hein, là, il faut lâcher prise, lâcher du lest. On s'en veut ici parce qu'on a fait confiance à une personne apparemment. Trop vite, on n'a pas assez été prudent, prudente, hein, d'accord? Cette personne, elle vous a fait du mal. Bon, sinon, pour d'autres, on parle de divorce, de séparation. Vous avez mal, c'est pas évident, mais ici, je vous assure, tout en étant prudent, prudente, quand le moment sera venu, vous allez vous libérer de ce passé, vous allez vous reconstruire, vous allez aller mieux et vous allez vers un amour sincère et durable. Hein, d'accord? C'est ce que j'ai. Ouais, vous reprenez de la force ici. Ouais. Vous reprenez de la force. Vous êtes un petit peu oublié. Il va falloir s'occuper de vous, n'oubliez pas. Et vous allez oublier... alors, on vous conseille d'oublier un ex ou une ex, d'accord? Et de passer à autre chose. Alors, oublier dans le sens, on n'oublie rien dans la vie, ce qu'ils nous ont fait. Mais dans le sens ne plus retourner avec, c'est ça qu'ils veulent dire. Et vraiment de vous recentrer sur vous et vos projets. Parce qu'il y a quelqu'un là, il y a de l'avenir ici. Il y a quelqu'un qui vous attend. Et c'est beau parce que cette personne, en fait, bah, il y a de la tendresse, il y aura de l'amour, il y aura de l'harmonie. Ça va être puissant entre vous, hein, d'accord? Donc voilà. Prenez que ce qui vous parle en tout cas. C'est une générale, ne l'oubliez pas ça surtout. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation avec moi. Merci.